Tonton Badour. Avec tout le respect que je te dois, je te coupe la parole parce qu'il est hors de question de me présenter avant Alain. Allez, il s'agit bien évidemment d'une, vous l'avez compris, je répète encore une fois, c'est un objet non identifié et sans ce que je vais appeler cette aventure humaine, parce que c'est loin, au plus qu'un film, c'est d'abord une aventure humaine. Merci, merci à vous deux, merci Zine, merci Alain. Et merci à ceux qui ont participé à cette aventure humaine. Allez, on va les mettre par groupe. Oui, d'abord, Zine. D'abord, avant de présenter les acteurs, on doit se présenter parce qu'on ne connaît pas. Bien que je connaisse trois quarts de la salle, moi je suis Zine Labidine. Donc j'ai écrit le scénario, j'ai fait la mise en scène. Et Alain, avec qui je travaille depuis longtemps, on a fait des actions. Il connaît bien cette salle. On finira par se paxer, mon cher Alain. Le temps de travailler ensemble. Et donc, effectivement, le film, on va parler plus tard. Peut-être on ne va pas trop faire de discours. On voudrait plutôt présenter l'important dans le film, ce sont les acteurs qui ont donné de leur temps, de leur talent, je ne dirais pas bénévolement, je ne dirais pas gratuitement, mais ils étaient là, ils avaient tout le plaisir de jouer avec nous et c'était vraiment des moments merveilleux. Une aventure humaine, je répète, une aventure humaine. Merci beaucoup, merci à tous. Les pourris! Alors, il y a deux pourris que vous avez constatés dans le film, c'est Riyad et Nicolas. Bravo! Vous pouvez venir. Venez, venez, venez. Allez Riyad, allez Nicolas. Donc c'est les pourris de la communauté musulmane, Riyad qui l'a mis. Nicolas et nous. Le voilà. Nicolas. Bravo. Je me suis présenté, mais tu n'étais pas présenté, moi, cher Alain. Moi, je suis simplement journaliste, documentariste, et je participe à des aventures comme celle que m'a proposée Zine, à partir du moment où on parle de chaleur humaine, de partage, de conciliation et puis d'humour surtout, être bien ensemble. Et le projet que m'a soumis Zine était exactement correspondé à toutes ces formules-là. Et moi, je viens de me rendre compte que, je ne sais pas, c'est peut-être révélateur, mais j'ai présenté les pourris avant l'État. L'État, Françoise, Nicole, Sylvia, Olivier, Pablo, Ezra. Venez, rejoignez-nous dans la fin d'aventure humaine dont je parlais tout à l'heure. Madame la préfète. Celui qui incarne le rôle du maire, c'est un garçon vraiment exquis et merveilleux parce que quand on était, fait la répétition avec lui, il était mauvais. Mais vraiment, on a répété beaucoup avec lui. Alors voilà. Voilà toute l'autorité. Pablo, le commissaire. Nicole, qui est la secrétaire du maire. Sylvia, qui est la secrétaire du préfet, et le préfet qui est juste à côté, et le préfet, la préfète, on dit les deux. Et puis les deux pourris, hein, Nicolas, et Nicolas qui est pourri politique et pourri communauté. Zine, moi tu me mets dans un sale état parce que j'ai l'impression que tu as fait exprès, parce qu'après les pourris, après l'état, les extrêmes. Non, c'est pas possible que ce soit un hasard. Il y a deux extrêmes. Il y a Mustapha qui est là. Je ne sais pas où il est, Mustapha.
Alors je peux vous rassurer que Mustapha n'est pas du tout comme ce qu'il est dans le film. C'est quelqu'un de tolérant, quelqu'un de très gentil. Et je pense qu'il n'est pas là, Jean-Michel, qui joue l'extrême droite, je ne sais pas, il n'est pas là, il n'est pas venu, mais c'est pas grave, on continue. Après les extrêmes, les sportifs Christine et Mohamed. Christine n'est pas là parce que c'est travaillé. Christine n'est pas là et Mohamed Boudjaran, il est où? Il n'est pas venu. Il est représenté par Sœur Linda, que je remercie infiniment de tout ce qu'il a fait pour ce film. Sans elle, c'est elle qui m'a permis de recruter. Et je remercie aussi Collectif 12 avec Fred, qui m'a beaucoup aidé. Les humanistes, Adil, Yacine, Karima. Aziz, Yacine Kilani. Et Karima, et Karima que j'ai aperçu. Elle est là? Je pense qu'il n'est pas là, il m'avait dit qu'il avait quelque chose, je ne sais pas, il n'est pas là. Et Aziz, c'est les musulmans ça, les musulmans. Aziz, on enchaîne, on continue dans les présentations. Nous en sommes maintenant aux religieux. Alain, Yazid, Mourad, Fabrice, Franck, Driss et Asma. Ils sont là. Alain, le jeune. Asma, elle est représentée par son mari qui est là. J'ai dit Franck, Driss et Asma. Franck n'est pas là non plus. Et Mourad. Mourad, il est là, Mourad. Mourad est là, bravo. Bravo à tous et merci. Bravo Alain. Très bien. Bravo et merci. Non, Zine, là tu me mets vraiment dans un... non mais en plus il finit par les jeunes. Comme quoi il y a un ordre dans ce monde. Les jeunes, Nicolas, Nourdine, Linda et Noé. Linda. Tu es jeune. 20 ans et quelques mois. Bravo! Linda qui travaille au collectif 12. Non, mais il faut vraiment croire. J'ai juste une anecdote par rapport à Linda. J'étais dans un pétrin parce que quelqu'un qui a voulu saboter le projet, il n'est pas venu. Je suis allé la voir. Linda, je lui dis, j'ai un gros problème. Est-ce que tu peux m'aider? Et c'est là où il m'a proposé ce monsieur. Mon poulain! Et là, effectivement, j'étais soulagé. Et puis, vous avez vu le talent, que ce soit lui, au Nicolas, au Françoise, tout le monde a fait des talents. C'est des gens vraiment merveilleux. De quoi, parfois, on prend des professionnels, mais qui ne font pas la même prestation. Là, vous avez vous-même, c'est des gens comme ça. Franchement, il faut les applaudir, vraiment. Bravo, 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 bravo. Toujours pour finir dans cet ordre bizarre, alors des pourris à l'État en passant par les extrêmes, les jeunes, et maintenant, comme dirait l'expression « arrête ta flûte », les musiciens, Fred, Aurélien, Mathias, s'ils sont là. Alors, je vais vous raconter un peu l'histoire des musiciens, parce qu'au départ, effectivement, il y a cette manifestation devant le cimetière, qui contre un peu tout ce qui se passe par rapport à la communauté musulmane. Et donc j'ai choisi cette chanson. Pour moi, c'était la meilleure chanson du monde, Imagine de John Lennon. Et donc, au départ, on a pensé avec Alain de passer que la musique donc, sur disque. Et j'ai dit, pourquoi pas orchestre? Et là, je rends hommage à la voix off dans le film, qui n'est pas là malheureusement. On a une grande pensée pour elle, c'est Monique Bourgeois. En plus, c'est son anniversaire aujourd'hui. Et en plus, mais c'est vrai. Donc, Monique me dit, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu ne demandes pas à Fred? Fred, c'est lui qui a... Attends, Nicole n'est pas là. Béatrice.
Mais Béatrice, on t'attend. Non, mais pourquoi tu... Qu'est-ce qui se passe, mon cher Béatrice, allez. Non, il s'agit d'une erreur, une faute de frappe, je ne sais pas quoi. Mais bref, tu as le droit de faire ta star, c'est toi qu'on appelle la dernière. Madame Béatrice. Et pour finir, encore... Attends, frappe. Je dis juste un mot sur Béatrice, qui n'est pas comédienne, Béatrice. Hein. Il anime une émission classique à RVVS. Il est metteur en scène, hein, donc il fait la mise en scène. Et là, il a accepté pour nous faire plaisir. Et vous avez l'émotion qu'il a dégagée dans le cimetière avec ce dialogue entre elle et le chef d'orchestre. J'ai été prise, je ne suis pas du tout comédienne, hein, j'ai été prise par l'émotion. Je suis encore... c'était comme fort d'être dans... En plus, avec le camion, la mortuaire qui était devant... C'était pas évident. Pour mon mari, ça va pas être très évident non plus. Bravo. Je demande pardon à le mari de Béatrice parce qu'il est musulman, il est mort, il est pauvre, il est là, c'est tout. On va finir par l'image, les photographes. Oh oui! Sacré boulot aussi. Oui, juste te dire un petit mot, oui. S'il te plaît, à la fin. Donc, c'est un film qui n'a pas été subventionné. On l'a fait exprès, on n'a pas demandé parce qu'on ne veut pas être tributaire de personne. Donc, on a travaillé, comme tu le sais, mon cher Tonton Badou, comme ça, bénévolement, avec le travail. On a souffert parce que les gens ne sont pas disponibles. Il est à Paris, il est souvent en tournage. Donc, il faut caler tous les plannings, il faut tout organiser pour que ce soit une scène qu'on tourne. Et la répétition avec tout ça, c'était vraiment, vraiment hard. Les photographes Malik, Saïd et Asna. Alors, Malik. Encore quelqu'un dans l'aventure humaine, Malik. On doit être vraiment fiers d'avoir des artistes aussi talentueux que Tonton Badou et que Malik Shape. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un grand photographe qui fait des très, très belles photos. Il est spécialisé dans le théâtre, le jazz. Il fait des très belles photos. Rentrez sur son blog, vous allez voir, c'est vraiment extraordinaire. Malheureusement, il m'a écrit, son chantier, il est malade, donc il m'a dit vraiment, j'ai pas la tête pour ça. Asna, je sais pas, il n'est pas là. Saïd Meftahi, il est au Maroc, il est parti pour l'urgence. Il y a un que je dois rendre hommage, qui n'est pas là pour le moment, qui n'est pas, c'est le compositeur qui est Youssef Lalawi, qui est quelqu'un de Mantes-la-Jolie et qui est actuellement au Caire, en Égypte. Il est en train de monter une opérette, mais pas une comédie musicale. Donc il s'excuse, il devrait venir, mais malheureusement, il n'a pas pu venir. Et je ne peux pas m'empêcher de citer mon petit frère, Tijani. Ah, Tijani. Raïs Tijani. Oui, Tijani. Tijani, tu sais... C'est un hasard, vraiment hasard. Il m'a invité pour voir un clip qu'il a tourné. Et du coup, j'ai vu ce qu'il a fait. Ça m'a plu, cette qualité. Et je lui ai proposé le projet. Et il m'a dit tout de suite oui. Et là, vraiment, il a assisté avec Alain pour faire la réalisation. Et ça, je lui rends hommage et je le remercie infiniment. Et tu sais pourquoi tout le monde t'a dit tout de suite oui? Je viens de parler d'aventure humaine. La majeure partie d'entre nous, avec tout le respect. L'immense respect que j'ai pour le théâtre amateur, pour y en a beaucoup que j'ai reconnu du collectif 12. Pour moi, c'est ça, le théâtre amateur. Amateur dans le sens de passionné du théâtre. Bravo à vous, merci beaucoup. Bon, il a dit que j'étais... il m'a appelé Tonton Badou parce que je suis connu, c'est mon métier, je suis conteur. Et je vais vous raconter, moi, une histoire. Une histoire humaine, une histoire extraordinaire. Je reçois un message sur Messenger. Bonjour, je m'appelle Zine, j'aimerais que tu me donnes ton numéro de téléphone. C'est pour un film. J'ai dit à ma femme, chouette, j'ai du boulot. Fais tes valises. J'étais entraîné. Il m'appelle. Bonjour, je suis Zine, c'est la bibliothécaire Fatima. J'ai dit, ah oui, Fatima, ben c'est super d'avoir pensé à moi. Et il m'explique que. Il m'explique le film, j'ai dit, ça c'est génial, en plus un film, chérie, on sera riche. Il me dit,
J'ai pas de sous. C'est la vérité. Et il m'explique le projet. Et je dis, bah, c'est pas grave. Je crois qu'on est parti pour une histoire humaine. Et elle est là, l'histoire humaine. Bravo et merci à vous. Merci Zine. Merci Zine d'avoir réuni toute cette... d'être à l'origine de toute cette histoire humaine. Mais je vais vous dire quelque chose bizarrement. À tous les gens à qui j'ai proposé le projet, ils ont dit oui, sauf une personne qui a refusé et qui m'a écrit sans me donner d'argument. C'est Éric Rollot, le maire de Limay. Je suis les yeux de faire des repérages. Je sais qu'il est intéressé par le cimetière confessionnel. J'ai dit, bon, c'est le projet. Il m'a reçu et tout ça. Et c'est son adjoint qui m'a, 3 jours après, douche froide, il m'a dit, non, monsieur. Eh bien, tant pis pour lui. C'est parce que le film a eu lieu, on vient de le voir. Bravo, bravo, bravo et merci à tous. Bravo, Dean, bravo, Alain. Alors, Béatrice m'a demandé quelque chose, de parler de carré musulman. Alors, vous savez que... Je ne sais pas si vous visitez le cimetière de Gassicourt, il y a une parcelle réservée pour les musulmans, qui demandent à être enterrés dans ce carré musulman. Actuellement, c'est vraiment, on en parle partout des carrés musulmans. Donc, dans le film, effectivement, puisque les musulmans sont plusieurs nationalités, vous avez vu dans le film, il y a un Sénégalais qui disait... Nous, on veut notre cimetière à part. On ne veut pas d'arabe, on ne veut personne. Et c'est vrai que c'est là où ça pose un problème. Un musulman, c'est un musulman. Mais c'est toujours cette nationalité qui s'impose chaque fois. Alors, il y a une petite parcelle au Gassicourt. Si ta petite fille veut aller visiter, c'est bien, c'est voir un peu. Il n'y a que des tombeaux musulmans. Mais actuellement, il y a 3 projets. D'ailleurs, 3 maires m'ont sollicité pour venir, mais ils ne sont pas venus, je ne sais pas pourquoi. Le maire de Rony, le maire de Martinez, c'est Buchelet, et le maire de Magnanville. Parce qu'ils étaient intéressés, parce qu'ils sont en train justement de travailler sur le projet d'un carré musulman. Je les ai invités, mais ils ne sont pas venus. Voilà. Mais ce n'est pas une obligation religieuse. Hein. Je crois que Zohair est là, il peut peut-être me contredire, il connaît mieux la question par rapport au... Ce n'est pas une obligation. Donc on peut s'enterrer, d'ailleurs le même, le prophète de l'islam disait, vous enterrez là où vous mourrez. Donc ce n'est pas du tout... Mais les gens, il y a toujours cette... Rapatrier le corps au Maroc, en Algérie, en Tunisie. Non, on veut être enterré par les musulmans. Bon, c'est un choix, c'est tout. Mais ce n'est pas une obligation religieuse. Ici, dans les pays musulmans, c'est t'enterrer, on ne te déterre plus. En France, tu dois payer. Absolument. Si tu payes, tu ne payes plus, tu vas dans les fosses communes. Je pense que c'est la raison. C'est une location, je pense que c'est la raison. Je ne sais pas la raison laquelle les gens veulent vraiment que ce soit enterré. Est-ce que les carrés musulmans... Alors, Béatrice me demande encore une chose. Pierrefonds-sur-Seine. Il n'existe nulle part. Ne cherchez pas dans vos cartes. Lorsqu'on a commencé à tourner, j'ai demandé l'autorisation là où je tourne, c'est-à-dire à Mont-la-Jolie. On m'a dit OK, mais voilà. Donc vous tournez, mais vous tournez dans une ville. Alors moi, j'ai cherché un peu dans les pays francophones, voir une ville qui est au Canada ou je ne sais pas où. Et effectivement, je trouvais une ville qui, au Canada qui s'appelle Pierrefonds. Donc j'ai cherché en France, mais il existe Pierrefonds sur Oise. J'ai dit zut, donc je vais enlever l'Oise et j'ai mis sur Seine. Zine, j'aimerais juste déjà tout d'abord remercier tous les acteurs ici présents. Toi Zine déjà, parce que voilà, c'est bon, tu as fait des choix. Déjà, on tient à te remercier déjà pour ta confiance, parce que c'était un truc compliqué dès le départ. C'était un projet gigantesque, ça a mis beaucoup de temps. Et je peux vous assurer qu'il a eu... ça a été difficile et très très long, puisqu'il y a eu le Covid. Et on tient vraiment à te remercier pour ta ténacité. Franchement, parce qu'il faut vraiment... ça a été vraiment très difficile. Et je tiens aussi à remercier... Alain, parce qu'il a passé énormément de temps. Le tournage, c'est quelque chose qui prend énormément de temps.
Et tout le monde a donné du cœur. Et ce que j'aime, ce qui s'est passé dans tout ça, il y a eu énormément de cœur. Et jusqu'à présent, on le ressent. Et je tiens aussi à remercier tous les téléspectateurs qui sont... tous les spectateurs, excusez-moi, ici présents. Et de toute façon, bon, ça passera... ça passera plus tard. Et donc, voilà. Et merci encore. Pierre qui veut parler. Françoise. Moi, je veux rien dire du tout, moi. Pourquoi j'ai ça en main? T'es venu me chercher, tu m'as fait un rôle de préfet, pourquoi pas? Moi, je suis ouverte à toute proposition intéressante. Moi, je voudrais aussi remercier l'épouse de Zine qui était toujours présente. Garde le micro, s'il te plaît. Mais tu, ne... tu n'aurais pas écrit un livre, toi? Ah, mais attends, si tu permets, je fais un peu de pub. Non, mais allez, vas-y maintenant. Oui, oui. J'ai écrit un roman policier qui s'appelle « Il nourrissait le soleil », qui est paru aux presses littéraires pendant le Covid et qui a eu du mal à trouver ses lecteurs. Là, j'espère que ça va redémarrer. Merci, Tonton Badou. Inch'Allah. Bravo. Moi, je remercie Zine et je me demandais pourquoi ta chère épouse n'était pas mais, là. Oui, mais où elle est? Elle est là. Rejoins-nous. Je suppose qu'elle est là. Elle est là. Alors, que vienne. Attendez, je ne l'ai pas fait exprès. J'ai donné la liste à Badou, mais là, elle a... Oui, bien, non, ça y est, c'est de ma faute. Ah non, mais parce que Zine... tous les accueils que tu nous as reçus, merci de nous avoir accueillis chez toi, mais plusieurs fois, merci pour ton sourire, merci pour le café. Mais c'est vrai, je le dis du fond du cœur. C'est vrai ou c'est faux ce que je dis? Combien de fois sommes-nous venus t'embêter pour faire des répétitions chez toi? Toujours le sourire, l'accueil et le café et les gâteaux. Merci beaucoup. Parce que cette aventure était très belle aussi, m'a beaucoup plu à réaliser, enfin, à réaliser auprès de mon mari. Et puis, il faut dire aussi que tous les acteurs étaient vraiment très sympathiques. Et donc, voilà, je ne leur rendais que ce qu'ils nous donnaient. Eh bien, merci beaucoup. Voilà. Merci.